à Italia pour qu'elle se voit à la télé. Donc on regarde les épisodes d'avant. Ça commence l'inédit dans une heure à peu près. Nous sommes une famille recomposée. Tu vas te voir à la télé, Alia ? Pour autant que nous essayons de maintenir la maison. Mais ça te donne. C'est qui à la télé, mon chat ? Regardez, regardez, là, elle comprend. C'est qui ? C'est vraiment un moment stressant parce que c'est qui ? Ces robes-là. Elle comprend pas. Je vais être très déçue. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Coucou. Ces affaires-là ? Ça va ? Oui. Elle comprend pas, Alia. On est trop excités. Tu m'étonnes. J'ai trop hâte de voir. C'était la panique ce matin. No stress. Bon, regardez, il y a qui est venu nous voir. Hello! Hello! Alors, Issam, alias Monsieur Jaffi, pour ceux qui suivent les stories de certains Jaffi. Influenceurs, vous savez que c'est Monsieur Jaffi. Et regardez, là, on a sorti toute la nourriture donc, pour les animaux. Toute la panoplie Jaffi. Voilà. Alors, vas-y, tu veux nous expliquer un petit peu Jaffi ? Alors, pour les gens qui ont des animaux. On a toute la panoplie, donc Jaffi. On a tout, enfin, quasi tous les produits qui sont disponibles sur le shop. Le produit favori, bah, du coup, c'est la croquette, le produit favori des chiens et des chats. Parce que Jaffi, c'est les chiens et les chats. Ici, on a donc les petites gâteries, c'est les friandises à donner pour récompenser ces animaux. On a les petites lamelles qui sont ici. On a un jus ici, qui est un jus de viande, du coup, qui accompagne le chien dans sa digestion. C'est génial ça pour ajouter sur la croquette et aider le chien à digérer. Ici, on a les petits festins. C'est aussi vraiment super bon. En tout cas, sache un truc, c'est que peut-être... Alors, quand je dis que les produits sont bons pour nos amis les chiens et les chats, je dis pas ça sans savoir parce que ce qui est important de savoir, c'est que nous goûtons les aliments, nous humains, avant de le donner aux chiens. Mais c'est une blague. Ça se passe dans toutes les marques. Tu sais que ça, je ne savais pas. Oui, ça se passe dans donc toutes là, les marques. Donc là, tu vas nous faire une dégustation donc moi, par en exemple, direct. Je peux goûter les lamelles sans problème. Non, je ne te crois pas. Si, je t'assure. Je peux te dire ah que non, c'est bon. Ah non, mais ça va trop loin. Pour l'humain, comme pour le chien, il y a tous les aliments et tous les produits qui sont vendus pour les chiens sont d'abord testés par l'humain avant d'être du coup fournis aux animaux. Attendez, je suis choquée là parce que ça, je ne le savais pas. Par contre, donne, genre là, je peux goûter. Toi, tu lui as donné un gros bout ? Non. Lui, il faut le couper. Hop là. Mais pour de vrai, ou tu te fous de moi ? Non. Ah ouais. Tu vois ? Fait rien. Ouais, hein. C'est bon. Go manger ça lui tous les soirs, salé. Mec. Voilà, donc je viens d'apprendre un truc, c'est que c'est super. Je savais que Jaffi, c'était une très, très, très bonne marque pour les animaux. D'ailleurs, moi, mes animaux consomment que ça. Je vais vous montrer pourquoi chacun de mes animaux ont un paquet à eux, personnalisé. Parce qu'en fait, au-delà de ça, au-delà que les croquettes soient saines, que les humains goûtent, du coup, la nourriture des animaux, ce qui les rassure, en fait, le maître, parce qu'on se dit que ça reste des aliments bons pour eux. Si c'est bon pour nous, c'est bon pour eux aussi. Et c'est des croquettes donc personnalisées, une alimentation même personnalisée parce que vous avez aussi du pâté comme Issam vous a montré. Vous allez sur le site, je vais vous montrer, vous répondez à un questionnaire sur votre animal, chat ou chien, peu importe, et vous allez voir, ça va personnaliser ces croquettes pour le bien-être de votre animal. Donc, vous renseignez dans ces questions, c'est des questions basiques, c'est l'âge de votre animal, le poids, la taille, la race, s'il est stérilisé ou pas. Et selon ça, et selon sa forme, ils vont créer une alimentation qui est bien pour votre animal. Et c'est ça qui est génial. Au moins, on sait ce que notre animal mange. On sait que grâce à ça, il va être en meilleure santé. Parce que c'est un peu comme des humains. Si nous, on mange de la fast-food toute la journée, on va avoir plein de problèmes de santé. Là, c'est pareil. Nos animaux, s'ils mangent bien, s'ils mangent sainement, ils vont être en meilleure santé. Et on va les garder plus longtemps avec nous. Parce que ça, il n'y a que ceux qui ont des animaux qui comprennent que les animaux, c'est nos bébés aussi quand on en a. C'est vraiment toute notre vie. Et voilà. Donc, c'est bien aussi de leur donner une très bonne alimentation. Aussi, je tiens à vous préciser, vous pouvez demander même à votre vétérinaire, est-ce que c'est mieux d'acheter une alimentation au supermarché qui restera un tout petit peu moins cher ou alors une alimentation donc, comme Jaffi où tout est contrôlé. Il va vous répondre Jaffi. Voilà, tout simplement parce que l'alimentation du supermarché, c'est pas contrôlé, c'est pas
c'est pas top. Et surtout, ben, après, on paye le vétérinaire plus cher pour le coup parce que nos animaux sont beaucoup plus malades s'ils mangent pas sainement. Donc, je vous montre, regardez, chacun, comme je vous disais, a son paquet. On a le paquet de Mickey. Donc, vraiment, c'est vraiment personnalisé pour lui. Vous savez que Mickey est malade. Donc là, c'est vraiment une croquette pour lui. On a le paquet de 7 et on a le paquet de Chula. Et pourquoi 7 et Chula n'ont pas la même alimentation? Tout simplement parce que Jaffy s'est basé sur le fait que Chula soit plus petite que 7 et moins de poids. Du coup, sa croquette va être beaucoup plus petite donc que celle de 7. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment personnalisé. Et je vais vous montrer. Là, regardez. Les chouchous attendent parce qu'ils connaissent ce paquet. Même 7, regardez 7. Alors voilà, chacun attend sa petite gâterie. Donc là, on a celle de Chula qui est plus petite. On a celle de Mickey. Tiens mon chien. 7, tu viens? Et là, ça, c'est celle pour 7. Voilà. Ça y est, tu as eu, ce soir tu auras les croquettes Mimi. Toi aussi, voilà, ils en raffolent. Donc en tout cas, ce qu'on va vous donner, c'est un code, un super code promo. Et vous pouvez faire confiance à Jaffy. Voilà. C'est vrai. Donc. Et mon petit conseil, si votre animal, du coup, vous voulez lui faire plaisir de temps en temps, n'hésitez pas à faire un mix croquettes et petit festin. Ça reste exceptionnel, hein. Faut pas le faire tous les jours parce que c'est pas bon pour le chien de lui faire manger tous les jours de la pâtée. Mais on peut de temps en temps lui faire un petit plaisir et mixer les plaisirs justement. Voilà. Et là, regardez, aujourd'hui, c'est... C'est une demande en mariage. Pas raté la demande en mariage. Tu regardes, c'est qui? Oh non, elle aime pas se voir à la télé. Elle est un peu fatiguée, elle a pas beaucoup dormi, j'espère quand même qu'elle va pouvoir... Ben non, pleure pas, mon chat. Je vais organiser. En plus, elle est toute mignonne dans sa belle petite robe que j'ai fait faire. J'ai... T'es nostalgique de la maison? De ta chambre? Voilà, on viendra là. Elle a un peu de... Ouais, on n'a pas le temps. Tu peux pas lui parler? Elle n'est pas là, elle est aussi cool. Ouais, elle est en train de faire des gâteaux. Ouais, désolé, on sait pas. Ouais, c'est elle qu'on entend derrière. Je vais laisser Gabriel s'exprimer, je vais vous faire que j'adore. Bon, bah, tu la veux quand même un téléphone? Qu'est-ce que tu veux? Tiens. Non, mais tu racontes. Oh, je vais! C'est la copine de Suzy! Ça va pas? Elle voudra plus jamais nous voir. Je la rappelle.